Dans mon retour aussi là, chez moi. On est rendu mardi aujourd'hui, le 6 août. Là, c'est le matin, je viens de me lever. Je suis dans mon petit café, il est en train de se faire. J'ai hâte. Je me suis dit que je vous donnerais des petites nouvelles. En fait, je pense que je vous avais dit dans mon dernier vlog que j'étais de garde en fin de semaine. Dimanche à midi, je suis tombée à la première de garde. Et j'ai eu une journée quand même occupée, soirée aussi. Dans le fond, je me suis présentée à la clinique la première fois vers 1h, aller donner un antibiotique IV, puis faire un pansement. Après ça, je suis retournée chez moi. Ensuite, il a fallu que je revienne à la clinique pour voir quelqu'un avec une infection urinaire. Puis par la suite, j'ai vu quelqu'un qui avait comme une plaie en dessous du pied. J'ai pu retourner chez moi encore une fois, une petite heure et demie cette fois-là, le temps de manger. Puis là, je me suis fait rappeler, je suis retournée à la clinique. C'était la même dame de l'infection urinaire, était vraiment anxieuse à penser qu'elle réagissait, elle faisait une réaction allergique à l'antibiotique que j'y avais donné. En tout cas, finalement, non, c'était plus d'anxiété, mais on a juste comme changé avec le médecin l'antibiotique. Puis, par la suite, après ça, je suis retournée chez moi un peu aussi. J'ai eu le temps d'écouter un peu la télé, jaser avec Alex. Puis, j'ai reçu un appel, dans le fond, une femme enceinte qui avait échappé à le diabète de grossesse. Puis, elle avait échappé sa dernière fiole d'insuline par terre, mais elle ne s'était pas donné sa dose. Donc, je suis allée lui en redonner d'autres à la clinique. Puis, finalement, à minuit, j'ai vu une petite fille là, qui était COVID positif. Et ses parents s'inquiétaient parce qu'elle faisait de la fièvre. Donc, je l'ai vue, mais finalement, tout allait bien. Et, au bout du compte, je suis revenue ici, il était rendu 1h10 à peu près du matin, donc j'étais bien fatiguée. Ah oui, entre ça, j'ai vu aussi mon antibiotique à 9h, que j'ai revu. Puis, c'est ça. Donc, j'étais bien fatiguée hier matin. Quand je me suis levée, une chance, j'ai pas été redérangée là, après 1h du matin. Mais il fallait que je me lève vraiment un peu plus tôt que d'habitude parce que je devais aller mettre l'antibiotique IV à 8h le matin. Donc, hier, j'étais bien fatiguée. Ça a été quand même une journée tranquille, par exemple, parce que vu que c'était férié, la clinique est fermée. Fait qu'on est comme on call, mais à la clinique. Donc, Julie, là, elle a pris plus de patients et fine parce que j'étais vraiment fatiguée. J'ai fait des petits trucs, là, comme des changements de pansement, des trucs un peu plus faciles. Puis, c'est ça. Sinon, hier soir, dans le fond, il y a Bernice, qui a travaillé aux archives ici. Elle nous a invité à aller dans son tipi, puis elle nous a montré comment faire de la bannique. Au début, j'étais pas sûre d'y aller, puis j'étais comme non, faut vraiment que j'y aille parce que j'étais vraiment fatiguée, mais j'ai dit, ça va être trop le fun. Puis je suis vraiment contente d'être allée. Dans le fond, on a fait ça. Elle nous a montré comment faire de la bannique, qui est comme une espèce de pain. Puis on en a fait au raisin, puis du normal. C'était vraiment très cool, c'était vraiment très bon aussi. Excusez, faut que je fasse mon petit café. Puis après ça, il y a quelqu'un qui est arrivé genre avec plein de gui, ça c'est genre des outardes, bernaches, peu importe comment vous l'appelez ça. Puis dans le fond, eux, ils leur amenaient ça dans le tipi, puis il faut comme tout que t'enlèves les plumes comme puis la petite fourrure qu'il y a. Fait que là, elle a commencé à faire ça. Là, nous, on était comme bien intrigués. En tout cas, finalement, elle était comme « voulez-vous essayer? » Fait que là, on était comme « ok ». On avait des gants, là, parce que moi, j'ai de la misère à cuisiner la viande crue. Fait qu'imaginez, genre, imaginez comme
comment dire ça, éplumer, genre un oiseau. Et boy. Mais je l'ai faite, je l'ai faite, puis je l'ai faite au complet. Je vous montrerai, je vous mettrai là. J'ai pris des petites vidéos et tout, puis il y a une photo de moi à la fin avec ma petite gousse, tout éplumé. C'est vraiment très drôle. Mais c'était une belle soirée, puis au bout du compte, je me suis couchée quand même à 10h30, fait que c'est vraiment pas si pire. On est revenu ici pas trop tard, j'ai mangé un petit peu de mon pain bannick, puis j'étais allée me coucher. Donc ça avait vraiment fait une belle soirée, puis ça a fait du bien, je suis bien contente. Puis là, jeudi, elle dit qu'elle va nous en faire cuire une dans le tipi, fait que nous, il faut qu'on amène une salade. Donc j'étais bien contente. Donc ça ressemble à ça mes deux dernières petites journées. Je me dis que je vous donnerai des nouvelles, puis je vous reparle. Peut-être ce soir, peut-être demain. À plus tard. Pas parlé, on est rendu vendredi. En ce moment, il est 12h30. Aujourd'hui, c'est ma journée de départ, donc je suis bien excitée. Je pense que la dernière fois que je vous ai parlé, c'était mardi, donc ça fait un petit bout. Pour vrai, il s'est pas passé grand chose à la clinique, là, des petits cas, rien de bien particulier, rien de bien intéressant à vous conter. Des journées quand même occupées, par contre, beaucoup de patients, mais rien de bien bien palpitant. Sinon, hier soir, dans le fond, on est allé dans le tipi encore là, à Bernice, puis elle a fait cuire des gousses qu'on avait éplumées lundi soir, ouais. Puis elle a refait de la bannique, donc on a mangé, puis là, il m'en reste un petit bout, fait que je pense que, en tout cas, si je la mange pas dans l'avion, parce que ça dépend, là. Souvent on a des petits lunchs, fait que je devrais pas pogner trop faim. Mais j'aimerais ça faire goûter à Alex. Je lui ai mangé comme la moitié, mettons, de mon morceau de bannick. Puis il en reste l'autre moitié. Puis ça ressemble à ça. Donc c'est ça. Hier, on a un petit pis, on fait cuire les gousses, de la bannick. On a mangé ça. Nous, on avait fait une salade de patates puis une salade verte. C'était tellement le fun. Il faisait chaud, là, comme dans le tipi, à cause du feu. On était tellement relax. Pour vrai, comme. Genre, on a passé proche sans dormir. Là, on était comme couché à terre, ça sentait bon, le feu, les gousses rôties, les gousses rôties, puis c'est du sapin, là, fait que là, ça sent bon dans le tipi. Donc, c'est ça, c'était bien le fun, c'était relaxant comme petite soirée. Sinon, hier, j'ai fait juste une petite pensée de lavage parce que je m'en vais aujourd'hui. Puis là, ce matin, à 9h, dans le fond, j'étais pas sûre que j'allais y aller à 9h, mais. Il fait pas full beau dehors, puis les filles avaient l'auto, donc j'ai pris la ride pour y aller à 9h. J'ai fait signer ma feuille de temps, puis j'ai remis ma carte de la clinique. Puis je suis revenue ici, terminer comme le lavage de toutes les draps, serviettes et tout, faire ma petite vaisselle. J'avais déjà passé le balai, mais je voulais faire laver la salle de bain. Parce que normalement, il y a quelqu'un qui est supposé venir faire le ménage après, mais c'est vraiment pas fantastique, là. Donc, j'aime mieux laisser ça propre pour la prochaine personne. Puis, hier soir, dans le fond, j'ai donné là, aux filles la bouffe qui me restait. Puis, ça ressemble pas mal à ça, là, dans le fond. Ça avait été confirmé que je pouvais, que je pouvais partir aujourd'hui, mais j'avais pas reçu mes billets. Par contre, Michael il avait reçu une confirmation que mon vol avait bien été changé pour aujourd'hui. Mais il voulait vraiment comme faire en sorte que tout soit correct et qu'on soit pas pris dernière minute avec comme un problème. Donc, tantôt vers 11h15, 11h30, je pense qu'il est venu me chercher. On est allé à l'aéroport enregistrer mes bagages. Finalement, tout était correct. J'étais sur le vol et tout. Puis après ça, il est venu me reporter ici pour que je finisse mes trucs. Puis il va venir me rechercher tantôt. Normalement, c'est le chauffeur qui vient nous chercher, mais il en fait pas full confiance. Là, ça a l'air qu'il y a une fille, il y a comme 2 semaines, elle a manqué son vol pour vrai à cause du chauffeur. Fait qu'il veut pas que ça soit lui qui soit en charge de venir me chercher parce qu'il veut pas que je manque mon vol. Donc, il va venir me chercher là, vers 13h25 parce que le cut-off à l'aéroport, il est à 13h30. Puis, l'avion part à 14h30. Je change d'avion à Val-d'Or. Je pense que je vais être quand même pris un petit bout à Val-d'Or parce que
Mon avion repart de Vendôme juste à 19h20 selon mes billets. Puis, sinon, quand que je check, parce que sur mes billets, il n'y a pas mon nom d'arrivée, mais quand que je regarde ce vol-là, normalement, il devrait arriver vers 20h30 à Montréal. Donc, là, Alex devrait être là pour m'accueillir. Puis, c'est ça. Ce soir, on s'est loué une petite chambre d'hôtel, l'hôtel Le Dauphin à Montréal. On va aller souper au resto. J'ai hâte. Un bon petit resto avec un petit verre, un petit drink. J'ai bien, bien hâte. Donc, ça ressemble à ça. Je vais vous amener, là, si vous voulez, peut-être des petits clips là, dans le restant de ma journée, de ma fin de semaine. Pour vous amener dans mon petit retour spécial, étant donné que demain, c'est les 20 ans. 25 ans, 20 ans, je pense, de mariage à l'oncle, à Alex. Donc, c'est à Québec. Je pense que je vous avais déjà tout dit ça. Mais c'est ça. Donc, je suis bien. Je suis énervée. J'ai hâte de retourner chez moi. C'est tout le temps une journée qui est comme un peu stressante, mais heureuse en même temps. Donc, on se reparle plus tard. Presque chez nous. On est rendu dimanche, là, il est 10h40. Je vous ai pas parlé, ça fait un petit bout. La dernière fois que je vous ai parlé, c'est le vendredi matin, je pense, avant que je parte. Le retour a super bien été. L'avion aussi, dans le fond, j'ai fait beaucoup de up and down. Là. On est parti de notre village, on est atterri à Ismaël, débarqué du monde, chercher du monde. Après ça, même chose à Ouaskakaniche, débarqué du monde, embarqué du monde. Après ça, on est allé jusqu'à Val-d'Or. À Val-d'Or, j'ai changé d'avion. J'ai attendu environ 2h30, je pense, à Val-d'Or. Mais c'est moins pire attendre à Val-d'Or que dans les autres aéroports parce qu'au moins, il y a comme une petite machine à café, une petite machine distributrice. Fait que je me suis fait un petit café. Je me suis pris un petit café dans les machines. Puis. J'ai écouté des émissions, je m'étais téléchargée des émissions Netflix. J'avais prévu le coup. Puis ensuite, on est reparti de Val-d'Or, puis on s'en allait à Montréal. C'était vraiment cool. On est parti à 7h20, 7h30 de Val-d'Or, 7h20. Puis c'était juste l'heure du coucher du soleil. Je vais vous avoir mis des petits clips. Là. C'était magnifique pour vrai. Au moins, on a eu un beau petit spectacle. Puis c'est ça, je suis arrivée vers 8h30 à Montréal vendredi soir. Alex est venu me chercher, on est allé porter mes trucs à la chambre d'hôtel. Puis après, on est allé manger dans un petit resto à Montréal, c'est Venice, je pense que ça s'appelle. En tout cas, c'était bien bon, j'ai mangé un bon pokéball, on a pris des bons petits drinks, c'était bien le fun. Puis ensuite, on est venu relaxer et se coucher à la chambre d'hôtel. On était à l'hôtel Le Dauphin au centre-ville de Montréal, c'était pas la première fois que j'allais là. C'est un petit peu dispendieux, mais c'est vraiment un bel hôtel. Plus j'avais le goût comme d'une belle chambre d'hôtel. Et que je pense que j'ai même pas filmé. Je suis désolée, mais c'est ça. C'était bien beau. Ensuite, samedi matin, on s'est levé tranquillement. On est allé déjeuner. Là, il y avait un petit déjeuner compris. Puis par la suite, on se dirigeait. Ça l'a coupé, je sais plus, mais je vous disais qu'on s'est dirigé vers Québec. Là, ensuite, samedi matin. On est allé bruncher, déjeuner, dîner là, chez sa mère et son nouveau copain. Puis, moi, c'est la première fois que je l'ai rencontré, mais Alex, puis sa soeur, c'est vrai, était déjà là, elle est arrivée la veille avec son chum. Puis, eux, c'est ça, comme je disais, ils avaient déjà rencontré le copain de leur mère. Donc, on a brunché, c'était le fun. Puis, ensuite, on s'est dirigé vers, c'est les 25 ans de mariage à l'oncle et la tante à Alex. Donc, il y avait un party là, dans une petite auberge. On a mangé un michoui pour souper. C'était vraiment très le fun. Désolée si vous entendez le bruit de chaleur, c'est parce qu'il fait vraiment chaud. Fait que j'ai parti la clim, sinon j'allais mourir de chaleur. Donc, c'est ça, une super belle soirée. On est revenu dehors. On est revenu coucher chez la mère à Alex. Il était rendu
1h du matin, je pense. Puis ce matin, il fallait se lever très tôt parce que Alex, je pense que je vous l'avais dit, mais il y a une journée d'école il y a 2 semaines, sa prof ne pouvait pas être là. Donc elle avait été reportée à aujourd'hui. C'est comme, c'est quoi les chances, mais en tout cas. Donc on s'est levé à 5h15 ce matin. Très très courte nuit de sommeil pour venir à Montréal. Là, en ce moment, Alex, il est à son cours, c'est à Brossard, à côté du 10-30. Moi, j'en ai profité, je l'ai débarqué dans le fond, ben je l'ai. Il conduisait, moi j'ai fait une sieste pour être capable de conduire à soir, fait que j'ai dormi dans l'auto. Puis là, je viens de sortir, j'ai passé un petit 2 heures à peu près au Starbucks. J'ai fait le montage de mon dernier vlog que je vous ai mis en ligne. Puis j'ai bu un petit café, pris un petit déjeuner. Là, je m'en vais faire un petit peu de shopping d'automne, mais en vrai, il fait tellement chaud, en vrai, je me souvenais plus... fait encore chaud même ici. Là, je suis pas habillée pour la situation du tout. Je n'ai que des jeans, mais bon, je vais faire avec. Au moins, j'ai des petits t-shirts là, fait que c'est au moins ça. Donc, ça ressemble à ça. Je vais aller faire du shopping ce midi. Je pense que je vais me retrouver une petite place, peut-être une petite terrasse à l'ombre à quelque part pour dîner. Puis, je vais faire des petits montages de reels qui me restent, que j'avais pris des petites vidéos dans le Tipeee. Pour mettre sur Instagram, donc ça ressemble pas mal à ça. Je vous dis bye, je pense. Ouais. Ou non, je vais vous montrer mes petits achats plus tard que je vais avoir fait aujourd'hui, si achat il y aura. Puis je fermerai le vlog après ça. Ouais. Je pense que c'est une bonne idée, donc je vous dis à plus tard. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Salut tout le monde, on est rendu... Oh my god, lundi. On est lundi, le 12 septembre. La dernière fois que je vous ai parlé, c'est hier en fait. Là, je vous dis que je m'en allais magasiner au 10-30 toute la journée. Puis finalement hier soir, quand on est revenu à la maison, j'étais comme trop fatiguée pour vous montrer mes petits achats. Fait que je me suis dit que je ferais ça aujourd'hui pour vous fermer mon petit vlog. J'ai acheté quelques petites affaires, vraiment pas si pire pour une fille qui a passé la journée dans les magasins. Mais c'est ça, j'ai fait beaucoup d'essayages. Je vais vous mettre des petits clips comme en rafale là, avant ça, de tous mes essayages. D'ailleurs, j'ai comme filmé plein de petits clips, de plein de trucs que j'ai pas pris. Mais j'ai presque tout essayé ce que... j'ai presque tout filmé ce que j'ai essayé. Wow, ça va pas le blabla. Donc, ça ressemble à ça. Premièrement, là, dans le fond, là, j'ai acheté, j'étais allée chez American Eagle, il n'y avait comme pas grand chose, je trouve qu'ils ont plus de trucs de choix en ligne, mais je me suis acheté des bobettes qui étaient en spécial, puis des petits brasseurs, donc je vais garder une petite jean, je ne vous les montrerai pas. Mais sinon, je me suis acheté au garage un petit t-shirt comme ça, un peu crop, vraiment, ça va être comme cute, bien passe-partout avec des jeans. Je me suis acheté en bleu, j'essaye... J'ai de la petite couleur, j'ai pas beaucoup de couleurs dans mon garde-robe. Ensuite, je suis allée au Frank & Oak et je me suis acheté des belles petites jeans, genre modèle comme droit, mettons. Comme ça, elles sont vraiment belles. J'étais contente parce que pour vrai, j'ai quand même la misère à me trouver des jeans qui me font souvent, sont trop grandes. Bon, ça peut être un beau struggle, mais non, pas tant. Normalement, là, c'est les jeans du American Eagle qui me font, mais là, eux aussi ont des jeans qui me font, donc je suis bien contente de savoir ça. Ensuite, je me suis acheté une petite laine au Zara qui est bien cute. Je l'ai essayé, là, vous allez voir, en bleu. Puis cette couleur-là, puis j'ai décidé de prendre cette couleur-là. Ensuite, je suis allée au Lululemon, un petit pêché. J'ai pas acheté de leggings cette fois-là, mais j'ai acheté d'autres trucs. Je me suis acheté des beaux petits jogging genre pêche rosé. Comme pas évident à montrer, comme ça. Ici, ils me font vraiment bien, ils étaient en spécial, donc j'étais bien contente. Puis, une petite laine, c'était du magasinage automne, comme ça ici. T'sais, je dis que je vais m'acheter la couleur, puis ça fait 2 chandails beige que je vous montre. Comme ça ici, puis une petite ouverture, elle me fait vraiment bien. Puis, je me suis aussi acheté chez Loulou, je vais le recevoir, ils l'ont commandé parce que
C'est comme un petit hoodie, pas de capuchon, semi-crop, là, je vous montrerai au pire, mais que je le reçoive. Dans un peu blanc-beige, encore une fois. Dans le fond, je l'ai essayé dans ma grandeur, dans une autre couleur, mais je voulais vraiment ces couleurs-là. Donc, ils m'ont commandé. Ensuite, je suis allée, c'est un magasin de trucs de sport, là, un peu comme un Sport Expert, mettons, mais je me souviens plus du nom. Parce que je voulais m'acheter des bas vraiment chauds pour cet hiver quand je vais être allée dans le nord. Je suis vraiment frileuse, puis j'ai tout le temps les pieds gelés. Donc, j'ai acheté deux comme ça. Ça dit que c'est des Everyday, des beaux petits bas de laine de Merino. Donc, ça va être bon pour me garder au chaud. Puis, j'ai acheté, c'est un paquet de deux petits bas de laine comme ça, bien classique, mais ça, j'adore ça. Puis, je les ai pris des enfants. Vraiment pratique d'avoir des petits pieds parce que ceux pour adultes avaient l'air beaucoup trop grands. Ensuite, dernièrement, dans le fond, je suis arrêtée au Indigo. Moi, j'adore lire, j'adore les livres, ils ont tellement des beaux trucs. Donc, je me suis acheté pour commencer une petite boîte à linge pour quand que je vais travailler. Parce que celle que j'ai ici, que j'utilisais quand je suis allée à l'hôpital, elle est gigantesque parce que je mange quand même beaucoup. Donc, quand que je faisais des 12 heures à l'hôpital, il me fallait une grosse boîte à linge. Mais là, si c'est juste pour me traîner des petits trucs au cas où, surtout quand je suis de garde, des trucs comme ça. Ensuite, je veux commencer à essayer de lire en anglais. Donc, je me suis acheté un petit livre en anglais comme ça. Tout le monde parle de cet auteur-là. Puis, je me suis fait dire qu'il est quand même facile à lire pour commencer. Donc, j'ai bien hâte de voir ça, de me lancer là-dedans. C'est mon nouveau défi. Maintenant que je travaille en anglais, ça va être d'essayer de lire. Ensuite, ça ici, bon, ça paraît pas vraiment. Mais c'est comme un petit set d'ustensiles pour justement quand que je travaille juste au cas où. Puis, ça que je voulais essayer, puis je n'avais pas trouvé encore, c'est des petites bandelettes de détergent. Dans le fond, là, c'est quand que je pars, je peux pas m'amener du savon à linge liquide, c'est beaucoup trop lourd. Je m'amène normalement des Tide Pods, mais je me suis dit que je pourrais essayer ça. C'est encore moins lourd, ça prend pas de place, puis c'est plus écologique en plus. Ça dit que, dans le fond, là, il y a 30 petites feuilles, c'est des feuilles, dans le fond, là, comme des, ça ressemble un peu à des bandes, pour 15$. Puis tu peux faire, c'est une brassée par feuille. Puis même quand c'est une frontale, ça dit que si la brassée n'est pas trop grosse, tu peux mettre juste une demi-feuille. Donc je pense que je vais l'essayer ici, voir avant de partir si ça arrive. J'espère que oui. Donc ça ressemble à ça pour mes petits achats. J'ai reçu aussi quelques petits colis que je m'étais commandé, mais je vais vous garder ça pour un prochain vlog parce que ça fait assez d'achats pour l'instant. Donc je vous dis bye bye, bonne journée ou bonne soirée, puis on se parle dans un prochain vlog.